Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 29e épisode du Let's Play sur Deathloop. Donc allez, on se rapproche petit à petit de la fin. Donc là, on va affronter la machine de Charlie, si j'ai bien compris. Et après, on va pouvoir commencer à les buter petit à petit. Pour prendre la machine et s'envoler pour retrouver Juliana. T'es seulement jalouse de ma roquette mobile. Gagné. Je rêvais de me retrouver coincé là-dedans. Alors ça aussi, je l'ai fait. Eh ben, pourquoi je suis encore sur cette putain d'île? Je te l'ai déjà dit. Tu finis toujours par revenir. Pourquoi je me réveille en voulant briser la boucle? Je comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est toujours, j'ai mal à la tête, j'ai pas signé pour ça. Tout le monde sait que tu t'en fous. Eh bien, c'est plus... Lucas. Ah ouais, tu te voiles vraiment la face. Ce qui est bizarre, c'est vrai que apparemment on a déjà fait tout ça. Si j'ai bien compris, c'est qu'on a déjà fait tout ça. Mais on revient tout le temps, donc je pense que... Ouais, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien si on revient tout le temps. Charlie... J'essaie de les esquiver parce que ils sont légèrement casse-couilles. Ok, poste de transmission. Ok, on s'en fout. Parce qu'au final, on a l'impression qu'il n'y a que 4 endroits où. Je dis ouais, ça va être répétitif et tout, mais pas du tout. C'est ça qui est incroyable. C'est pas du tout répétitif. Ok, je peux pas y aller. Pourquoi je peux pas y aller? C'est ton tour. Putain. Je peux y aller. Pourquoi je peux pas y aller? Je passe par l'autre côté. Ça fait vraiment chier ça. Faut remonter. Voilà. Ça peut... Ah non, peut-être passer par là. Je pense que par là ça devrait être ouvert. Non. Je dois passer. Ah putain, oui, je sais. Oui, oui, mais faut que j'aille, oui. Bah oui. Je me rappelle maintenant. La machine. Ah, la machine, l'endroit là où il y avait... Vous avez pris la photo. Et le chenapan. Ici. Non? Et oui. Et oui. Je me souviens maintenant. Ok, et il faut faire quoi avec cette machine, couillon? Ah oui, il faut monter pictogramme. Bah, appuie. Oh mais attends. Le premier, c'est celui-là. Comment je fais pour savoir lequel c'est? Ouais, ok. Le premier, c'est celui-là. Ah, c'est ça. Le premier, celui-là. Et le 8. Oui, c'est le 8. Ou le 8, celui-là. Le deuxième, c'est celui-là, le rond. Là. C'est le 20. Tu me rappelles à 20 quoi?
Oh, frérot, on voit pas. Putain, mais on voit pas. N'importe quoi est marqué. 24. Oh, ouais, c'est 24. Troisième. C'est ça. 7. Et le dernier. C'est celui-là. C'est le 16. C'est le 16. 16. Très bien. 8, 24, 0, 7, 16. Explorer la cachette. Station de pompage. Ok. J'ai raté quelque chose, hein. On va rentrer. Je peux pas rentrer. Signal radio, on doit être sacrément profond. Ça, c'est de la canalisation compète. Je me demande si je peux inonder cet endroit. Allez, mettez-moi mes blagues. Je les aimais. Je les aimais. Quand tu étais près de moi. Ok. De toute façon, ça sert à rien de les tuer. Parce qu'il va falloir revenir. Quoi qu'il arrive. Donc, on est bon au niveau des visionnaires. Donc, tout prend fin. Voilà. Ok, Franck. Ok. Vinégor, ok. Ok, donc c'est parti. Bon. On s'en fout. Quoique on peut se faire plaisir. On va regarder comment on pourrait les tuer les deux là. Deux par deux. C'est chaud, ouais. Ok. Tu as demandé à Franck de m'écrire. Tu savais qui j'étais. C'est moi qui écrit cette chanson. Il a juste osé la rendre. Nous sommes un parmi d'autres. Deux miroirs. Je bouge. Tu reconnais. Pas caché. Oh, je suis mort. Merde. Ok. Ça c'est bien juste. Bon, on s'en fout, hein. Ouais. L'important. Bon, allez, on va se dégager de là. On a plus besoin. Oh non. Allez. Donc maintenant on va pouvoir commencer notre périple. Magnifique. Je crois que je tiens le bon bout. Harriet à la baie de Carl le matin. J'en profite pour saboter les feux d'artifice de Franck. Ensuite, direction le complexe pour m'occuper de l'expérience d'Igor.
je rends visite aux tourtereaux dans leur nid durant l'après-midi. Puis, je m'incruste à la fête pour faire un petit coucou à Igor, Wenji et Alexis. Enfin, le racket au plan m'emmène à Juliana. Il est grand temps de briser cette putain de boucle. Ok, bah c'est parti. Donc, tu Ariette en premier. Et saboter les feux d'artifice de Franck. Donc, allez, il faut faire les deux trucs. Donc, d'abord, on va saboter le feu d'artifice. On va faire les deux, de toute façon, on peut faire les deux. Bon. La matinée. Si horrible. Elle est tombée amoureuse de toi, non? Puis elle m'a eu, puis elle est tombée malade. Elle te manque, je comprends. Parfois, des trucs dont je me souviens même pas me manquent. Tu as fait ton choix, Colt. Au moins, j'ai eu le courage de lui dire au revoir. Il faut que je la sorte de là. Apparemment, elle est tombée malade. Apparemment, elle est tombée malade. C'est par là-bas. Oh putain. L'union fait la force. Je vais voir. Ok. Merci les couilles. Et... Ok. Ok, c'est parti. On va voir le conteneur de Franck. C'était ça. Très bien. Il faut tuer Ariette. On peut passer par là. Ok. Donc on peut pas passer par là. Ok. Et oui. Ah, je crois que je peux passer par le toit. Putain. Donc je peux passer par le toit. Arrêtez-vous. Bon, on peut pas passer par l'endroit, non. Non, je suis obligé de passer par là-bas. Ok. Arrêtez par là.
Je tape le bouton. Ok, je viens d'apprendre, super. Elle pouvait pas me laisser tranquille là. Pas moyen. Vraiment pas moyen. Ok. Ok. Attends un peu. On peut passer par là, tiens. Vraiment. Ok. Allons-y. On s'approche de plus en plus tranquillement. Là forcément on peut pas passer. On peut pas pirater quelque chose. C'est très con ça. Ok. Alors attends. Ok. Franchement, ça sort vraiment bien. Dégage. Arrêtez en bas. Juste là, je crois, non? Allez, tu dégages. Dégage. Et tu dégages. On se taille. Donc c'est pas par là qu'il faut passer, apparemment. Et c'est très propre ce que j'ai fait. C'est plutôt cool. Maintenant on va essayer de ressortir proprement aussi. Oui. Yeah. Apparemment il y a Juliana. Ok. 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 Magnifique.
propre. Hyper propre. Donc maintenant il faut que... Je vais là-bas. Je remette le... l'antenne que je voulais. Tunnel. Y'a quelqu'un? Ok. Ok. Il y a trop de monde. Je l'ai pas vu la confiance. Putain, quelle salope. Pardon, je parle mal. Oh putain. Putain, mais Juliana, elle peut pas se casser, sérieux? Je l'ai vu. Elle va mourir un jour, sérieux. Ah, t'es connerie. J'ai mis deux coups de couteau. Dans la merde. Putain, je fais ça proprement depuis tout à l'heure et là, putain. C'est cool. Plus de munitions. Vas-y, 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 arrête. Oh, tu ne peux pas te cacher. C'est une blague ou pas? Vas-y, putain, ça a abusé. J'ai tout fait proprement et je me suis fait couiller. Voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Tant pis, on reprendra la prochaine fois. Casse les couilles, Juliana, putain, elle peut pas se barrer, elle peut pas, putain, toucher à son cul un peu. Sérieux. Ah, c'est chiant ça, quand même. Bon, allez, on va s'arrêter là, on continuera la prochaine fois, donc j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Deathloop. Allez, peace, prenez soin de vous.